Bonsoir, le Rayala et de Saint-Jean-de-Luz, prêt à vibrer pour cette demi-finale. Philippe, l'affiche est magnifique avec cette deuxième demi-finale. On espère surtout que le spectacle sera au rendez-vous parce que la première nous a laissé un petit peu sur notre faim. Effectivement, on savait qu'il y avait une très belle partie en perspective avec cette première demi-finale. C'est vrai que voilà, malheureusement, les choses se passent différemment souvent dans le sport de haut niveau. Mais ce soir, vraiment, on a vraiment l'embarras du choix. On a des quatre super joueurs. Un Rayala qui va être magnifique, une cancha prête impeccable, donc vivement que ça commence. On va vous les présenter ensemble, bien sûr, comme d'habitude, ces quatre champions avec, pour démarrer, l'équipe rouge emmenée par son avant, Erkiaga. Si j'ai bien retenu ce que vous nous aviez dit en juillet, Erkiaga, c'est un peu le Federer de la Cesta. Ah, effectivement, moi c'est un garçon qui me plaît énormément, c'est un joueur extraordinaire avec un toucher de pelote magique. Donc voilà, ce soir je pense qu'il aura envie de prouver une fois de plus que dans cette cancha lui réussit bien cette année et surtout d'accéder en slam pour lui, une finale, ce serait fabuleux. Associé à une légende, n'ayons pas peur des mots, 42 ans, Eric Rastorza. C'est son jardin, hein, avec Biarritz, Saint-Louis, c'est sa vie, c'est tous ces moments de haut niveau qu'il a passé ici. Il aura envie de prouver avec un avant comme Aritz Erkiaga qu'il peut prétendre vraiment à une finale de slam et peut-être plus. Donc je crois que ce soir, ça va être énorme de sa part. Face à cette équipe rouge, les Bleus emmenés par Beascoichea. Voilà, l'homme souvent associé à Rastorza dans ses grandes routes et dans tous ses titres au niveau des internationaux. Effectivement, ce soir, il aura envie de prouver quand même qu'il a les moyens encore de rivaliser avec tout le monde et d'être présent. Mais attention, le choix de l'adversité a fait qu'il rencontre un grand avant. Alors attention. Mais il sera aussi épaulé par un très, très grand arrière. C'est Lopez. Voilà, Lopez. Immanuel Lopez, c'est vrai, c'est le meilleur. C'est le joueur dangereux. Mais attention, il n'a peut-être pas une grande réussite cette année dans ce Rayala Saint-Louis. Donc, il faut penser que peut-être il va subir encore du jeu difficile. Mais c'est un grand arrière. Donc, la rivalité avec Rastorza, ça mérite le détour. On va justement rester avec cette rivalité pour saluer notre homme de la Cancha Arcace. Parce que c'est vrai que depuis 10 ans, Lopez et Rastorza mènent une rivalité. Alors, très, très saine, c'est vrai, mais exacerbée. Oui, ils sont amis hein, avant tout, mais ils sont rivaux depuis très très longtemps, une quinzaine d'années. Ils jouaient ensemble déjà à Miami. On a été sevrés de ce duel, il faut le dire, entre Lopez et Rastorza pendant quelques années, puisque Lopez n'est pas venu jouer à Saint-Jean-de-Luz jusqu'à l'an dernier. Il a brillamment fait son entrée en scène l'an dernier en remportant le titre avec Goicoechea. Donc, il joue son titre aujourd'hui face à Rastorza. On sait qu'Rastorza joue à domicile, que son niveau s'est nettement amélioré par rapport à l'an dernier. Il est beaucoup plus frais et au top de sa forme aujourd'hui. Donc, ça risque d'être très dur entre les deux arrières. Attention aussi au duel d'avant où Erkiaga a peut-être les clés de la partie ce soir. Allez, les dernières secondes avant d'attaquer cette deuxième demi-finale. On a choisi la pelote. Tout le monde est en place. Bien garni le Rayala pour cette deuxième demi-finale. On l'a dit, quatre champions réunis sur cette cancha. C'est parti! Erkiaga pour la première mise en jeu associée à Eric Rastorza pour composer l'équipe rouge. Et première accélération très rasante de la part de Beascoichea. Ça fait 1-0 pour les Bleus. Voilà, première opportunité de cet avant bleu de déclencher une attaque. Et là, il ne s'est pas fait prier. De suite, il a ouvert son angle. Il a lancé cette pelote à part une cortada, un raderé de la droite, ouais. Et très bien exécuté. Voilà, attention de ne pas trop lui donner une munition à cet avant parce qu'on sait très bien qu'il peut faire beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que cette deuxième demi-finale est extraordinaire sur le papier parce que la première petite faute va se payer cash. Oui. Ça va se jouer à des détails, je pense, ce soir. Donc attention aux erreurs de jeu. Beascoichea pour la mise en jeu. Vainqueur du Masters 1. Début juillet. Associé à Eki. Allez,
Les premières fautes de gants d'Eric Irastorza. Exact, exact. Attention, hein, l'engagement de la partie est important. Essayons de, pour cette équipe rouge de rentrer directement dans le sujet. Parce que là, j'ai l'impression que voilà, c'est encore dans l'échauffement pour eux. Donc, voilà. 2-0. Mais à noter qu'Eric Irastorza joue avec un gant particulier dont Philippe vous parlera tout à l'heure. Un gant qu'il a notamment utilisé dans d'autres frontons, ce qui peut permettre, ce qui peut justement expliquer un début de partie un peu difficile puisqu'il faut se jauger avec un gant neuf. Voilà, on sent de suite la longe de Lopez sur le revers. Il va essayer de d'ajuster ses coups de butoir, hein, parce que ça va très très vite sur son balancier du revers. On sent la puissance, hein, l'impact au mur. Hein. Et voilà, et lui il va essayer de rentrer et de terminer les points. Là en l'occurrence, il réessaye encore de elle trouver est très, très belle. La longe parfaite, hein, sur l'angle du mur pour donner un peu moins de hauteur au renvoi. Exactement. Et voilà. Très belle entame de demi-finale de la part de Beascoechea. 3-0 pour l'équipe bleue. Il va falloir quand même vite nous raconter l'histoire du gant là, Philippe, parce qu'Arcaïs nous a donné l'eau à la bouche. Eric a eu un petit problème avec son chitera, il y a un problème en ce moment de châtaignier, d'arceau, et c'est vrai que les gants ont tendance à s'ouvrir pas mal. Et la problématique, c'est qu'il a dû récupérer un chitera qui est façonné avec de l'osier en plastique, on appelle ça. Hein. C'est plus de l'osier classique, c'est une ouverture différente. Donc il y a beaucoup de rapidité dans le chitera. C'est le chitera lequel joue aussi Lopez. Ça donne beaucoup plus de rapidité dans le jeu, de la longe, de la vitesse. Donc voilà, c'est nouveau, ça commence à venir un peu plus dans l'organisation du matériel. Voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le gauche-gauche est dans l'attaque. Attention, ce joueur-là a tendance à ne pas beaucoup monter sur la défense au mur de gauche et courte. Donc je pense que Ali Sirkaga est au courant de ce qui doit se passer, donc il ne va pas se gêner. Et premier point inscrit par les Rouges et premier Pacha dans cette demi-finale. On parlait d'une suprématie qui se joue lors de la prise d'antenne entre Imanol Lopez et Eric Irastorza. Et donc avec l'explication de Philippe, vous voyez que c'est même au détail près, hein, puisque même pour le gant, il se joue une suprématie entre ces deux grands champions. Qui ne laisse aucun détail au hasard. Vous comprenez la sortie de Chistera, la vitesse. C'est rare de voir un angle de tir avec une réception sur le mur du fond qui descend de si vite. Pourquoi ? Parce que la sortie du Chistera, elle est rapide avec ce Chistera qu'il a. Et la pelote, elle flotte dans l'air. Elle reste carrément dans l'air. Elle ne donne pas une courbure. Et après, elle se jette au sol et elle tombe. Donc ça, c'est le Chistera qui fait ça, plus la rapidité, le balancier de cette arrière. Et ça fait 4-1. Pour la petite histoire, Emmanuel Lopez avait même fait un concours de rapidité de balle contre Olazabal, le grand golfeur au fronton de Fontarabie. Et Olazabal l'avait emporté pour un seul kilomètre heure d'écart, 246 contre 245 pour Emmanuel Lopez. Attention, déclenchement, Cortada et le point. Et parfait. Voilà. Parfait encore de la part de Beascoechea, 5-1. Ça récite, hein. On voit que c'est facile dans le jeu, ça déclenche au bon moment, la Cortada, Radoré de la droite, et là tout le monde est pris à contre-pied, Ricasso ne monte pas pour venir défendre, et Alicega reste bloqué sur son angle extérieur, donc voilà, c'est le point parfait. C'est vrai qu'on les sent un tout petit peu, on va dire, poussif, ouais, tout à fait. Physiquement en tout cas, ouais. On a l'impression qu'on a affaire à deux diesels avec Irastorza et Erkiaga.
C'est un peu plus dynamique de l'autre côté. Et surtout très belle entame de partie de ces bleus avec Bascuccia Lopez. Allez, bien fait, belle couverture. C'est mieux frappé ça. Voilà. Mieux frappé, mais il est là. Lopez. Ah oui! Ah, il s'engage. C'est là qu'il doit faire la différence, Alix. Voilà, très belle allongée à droite. Ça, c'est bien frappé. Oui, mais il sera dessus. Ouais, exactement. Et là, il a peut-être la deuxième opportunité à chercher à l'intérieur, mais un peu trop haut. Attention au raderé. Voilà, ce qu'il fait parfaitement. Ouais, très bien. Carquiaga est là. Bien placé, vigilant. Vite replacé là, Erastorza très loin. Parce qu'il a compris que voilà, Lopez il va chercher vraiment de position. Oh, joli encore, c'est. Là ça joue messieurs. Hein. Ouais, ouais. Pas de cadeau. Hein. Je peux vous dire que de l'arrière de la cancha, ça canonne dur. Oh joli, ça, ah, c'est, oui magnifique. C'est magnifique ça. On sent que techniquement là vraiment, il y a quatre artistes. Ah là là. Et là c'est faute. Elle est provoquée, elle est collée au mur de gauche, cette pelote. Pour la décoller du mur, c'est toujours délicat. Et là, vraiment, on a eu des phases de jeu avec des réceptions techniques incroyables. Et voilà, et point pour cette équipe bleue. Oui, même si effectivement les Rouges ont perdu ce point, on a le sentiment que là, physiquement, enfin, ils sont entrés dans cette demi-finale. Oui, tout à fait. Tout à fait. On sent le rythme qui s'est levé, la qualité technique qui est rentrée en jeu. Voilà, donc je pense que tous ces joueurs-là... en l'occurrence, l'équipe rouge a été prise d'entrée d'assaut par la performance de cette équipe bleue. Mais attention aux rouges qui peuvent réagir très vite. Ouais, c'est joli. C'est ah joli. Oui, magnifique là. Ce deux murs. Réussi à la perfection, voilà. Par Erkiaga. Bien sûr, on voit un sacré toucher de pelote. C'est une attaque de mur du revers par-dessus l'épaule. Là, si on ouvre l'angle, là, il n'y a pas de problème. On le voit, déclenchement, il est au numéro 7. Et là, la vitesse, la rotation, la pelote, elle s'en va sur l'extérieur, il n'y a rien à dire. Hein. C'est au centimètre près, hein. Vraiment juste devant la ligne jaune. Deuxième coup gagnant. Attention parce que les Bleus ont réussi à museler partiellement Erkiaga depuis le début de la partie. Parce que s'il laisse jouer ce joueur et qu'il a le niveau qu'il avait eu à la finale du Master 4 où il avait surnagé très nettement cette finale, il pourrait faire énormément de mal aux Bleus. Et ils le savent. Voilà. Attention, c'est déclenchement voilà, du revers, il peut faire. Ouais. Alors encore, Pascuccia est là. Splendide voilà. Aussi, la réplique de Diego Bascuccia. Sur le déclenchement du revers, je pense qu'il peut être précipité dans ce qu'il fait. C'est bien pour Alice Erkiaga. Mais je pense que sur la droite, il vaut mieux qu'il prenne un peu plus le temps de préparer sa pelote. Ce sera peut-être plus préjudiciable dans le contenu de sa partie. 7-2. Erkiaga, vous en parlez effectivement. Erkiaga, victorieux du Master 4, associé à Nicolas Etcheto. Avec une finale dominée en deux manches. Sans discussion possible. Et finaliste également lors du Master 1 avec Thibaut Basque. Hop là, ça frôle les trucs. Et là, ouais. C'est, là, c'est, oh là. Attention. C'est le point. Restez à l'abri, messieurs. Ouais, c'est bien ce que Philippe nous a prévenu. Le petit attention. Ça réveille. Hein. Ah, le double étage est costaud. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il faut toujours suivre le jeu. C'est toujours très important. Si on ne suit pas le jeu, ça va devenir très, très dangereux. Donc, voilà. 7-3.
Mais avec mon coéquipier Sébastien Hollot, on ne risque rien. Ah, dommage. L'intention était bonne. Ouais. L'exécution un peu moins. C'est précipité quand même dans ses attaques. C'est ça qui est un peu dommageable, c'est qu'automatiquement, il veut finir le point, il veut faire des choses, donc c'est qu'il déclenche très vite. Mais malencontreusement, là, il touche juste la ligne. Hein. Ouais. Il a le point. Hein. C'est pas là, ça va se jouer à pas grand chose. Donc voilà. Il faut qu'il ait un peu plus de réussite dans ce qu'il voudra faire. 8-3. Pour l'équipe bleue, l'avance reste confortable. C'est aussi qu'Alitzerkiaga peine hein, lorsque les parties sont longues. Donc peut-être la raison pour laquelle il veut essayer aussi de terminer les points. Il ne faudrait pas que la partie soit très longue et en trois manches parce que ça peut jouer en sa défaveur. Oui, magnifique là, vraiment. Ça a longé le mur et du coup, impossible pour Lopez de la contrôler. Il s'est peut-être un précipité, il avait le temps de laisser partir le rebote, il a fait le choix d'attraper la volée, il a voulu contrer directement ce revers d'Eric Irasoza en se disant tiens, je peux relancer aussi de loin. Et bon, et comme ils ont un peu d'avance, il peut se permettre de faire peut-être cette petite erreur là. Il va y douceur. Ah ouais. Elle est rentrée au dernier moment sur le mur de gauche, c'est dommage. Et c'est vrai que ça a gêné la réception d'Eric Irasoza. Et voilà, il a fait semblant de vouloir taper un demi-muret de la droite par-dessus l'épaule, mais en fin de compte, il a fini par la remettre à l'intérieur. On va le voir, le changement, pop, au dernier moment, il remet sur l'intérieur. Et là, il vient de défendre à deux. Eric demande au bon moment, mais c'est vrai que la pote touche le mur de gauche. Et voilà, il avait fait l'effort de venir défendre court. Et le petit regard vers son partenaire pour lui dire que finalement il avait été gêné. 9-4. Une équipe redoutable, l'équipe des Bleus, puisqu'elle est composée de Diego Beascoechea qui a gagné ici le tournoi en 2015 et 16. Et en 2017, c'était son arrière, Imanol Lopez. Et là encore, c'est magnifique là ce que fait Beascoechea. Avec cette attaque sur en deux murs. Ouais, il a pris des risques de déclenchement de deux murs, donc c'était important de le faire. Il ne s'est pas gêné, voilà, il le fait ça et le rebond qui va sur l'extérieur. Et là la réception il est gêné. On demande d'attraper et de se jeter en même temps sur le grillage, ce qu'il a le droit de faire. Et voilà, il a fait la faute à la réception. Première manche pour l'instant largement dominée par l'équipe bleue, 10-4. C'est bien avancé, Rastorza. Elle est fausse en rond. Voilà, il faut retrouver cette application dans le jeu qui est très importante pour cette équipe-là, cette équipe rouge. Elle a besoin de ça, un peu plus de confiance, d'application, de rigueur dans le jeu pour venir ennuyer un peu cette équipe bleue. Hein. Lopez fait une bonne prestation aussi, bien associé avec Beascoechea qui est tranchant sur ce début de partie. Voilà, donc 10-5, il y a possibilité de revenir à la partie, mais il faut faire attention quand même, hein, il faut vite repartir. Thank you.
Elle cherche à allonger, ça monte un peu trop, c'est dommage, mais elle tourne beaucoup. Ah oui, voilà. Elle n'est pas facile à contrôler. Ah, et... ça, c'est fabuleux. Ouais. Ouais. Là, il veut décroiser, mais là, c'est complètement trompé. Il est gentil, Berascochia, il ne veut pas... Ouais. Il veut pas ajuster son coup. Et... Bon, celle-là est pas mal. Ah oui. Et celle-là est bien frappée, elle est tournante. Aussi, elle est, frappée, elle est magnifique. Ouais. Ouais. C'est très, très bien frappé. On voit, ça va... À la Tchoula, carrément, la pelote elle tape le mur de fond, le sol et la pelote elle glisse au sol, donc c'est un coup très très bien ajusté. Voilà, on sent que cette équipe bleue quand même a la maîtrise du jeu. Et, tous les coups qu'elle peut organiser sont parfaits, sont bien faits, malgré, voilà, là c'est des pelotes qui sont très difficiles et l'ajustement derrière de la droite par côté, c'est parfait. C'est un fort de cette équipe bleue, on sent que voilà, elle maîtrise le sujet. Je ne sais pas ce qu'en pensera Philippe, mais moi je trouve, dans les notes que j'ai prises, que Alit Serkiaga ne fait pas forcément les bons choix, puisqu'il avait trois fois la possibilité de terminer le point au cours de cette première manche, et il a fait les mauvais choix, et au final, c'est à chaque fois les Bleus qui ont marqué le point. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça se voit juste à des détails, hein, on le voit, hein, c'est trompe sur des attaques, sur les rallonges, les allonges de jeu, et voilà, ça gêne beaucoup. Voilà, il va falloir retrouver ce jeu-là, collé au mur de gauche, comme on vient de le faire là, et finaliser un peu plus les points un peu plus avec, avec la justesse. 11-6. Ouais. Le Pacha, le deuxième de l'équipe rouge, 5 autorisés par équipe. Heureusement, sinon vous qui êtes spécialiste du tennis, Sébastien Long, c'était Eunice qui l'avait marqué à l'Itzerkel. C'est là qu'il faut qu'il fasse la différence. Là, il est encore. Magnifique la couverture là, de la part de Lopez. Elle est dure celle-là. Oh bien super, il fallait la prendre. C'est là qu'il n'est pas dangereux, Erkaga, c'est au renvoi de les rebottes. Donc il a possibilité de faire plus mal que ça. Il faut que il s'applique. S'il veut. Et faute de gants de la part d'Aritz Erkaga. Ouais. 12-6. En manque d'inspiration pour l'instant. Oui, exactement. Il a du mal vraiment à démarrer dans sa partie. Il y a trop d'erreurs, hein, trop de fautes directes de cet avant rouge. Et voilà, on voit qu'il est dérangé, hein, que ça le perturbe énormément. Mais voilà, il faut que Eric arrive à le relancer, à le remettre en confiance pour essayer de repartir dans cette partie. Pourtant, ils se connaissent très bien, hein, Litzer Kiaga et Eric Irastorza, puisqu'ils ont partagé le même fronton pendant des années à Miami. Oui. Alors, est-ce qu'il se parle ? Est-ce que Irastorza encourage son partenaire ? Irastorza n'arrête pas d'encourager Benga Alitz. À chaque point, il essaye de remobiliser son avant. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Un début de partie compliqué pour Alitz. Tant sur la défense et peu incisif pour l'instant. Contrairement à ce que l'on avait vu lors de la finale du Master 4, il peut faire beaucoup mieux, Alitz Erkiaga. Ouh ! Splendide. Et bien, Scotia est vraiment sur un nuage. Il attrape des pelotes vraiment... En extension, très très dur. Oh, celle-là elle monte beaucoup. Voilà. Oui, mais très sûr dans sa prise encore. Ouais. Emmanuel Lopez. Il fait pas de faute, Emmanuel Lopez. C'est incroyable. Ouais. Là, ce soir, il est imperturbable. C'est énorme ce qu'il fait. Surtout lorsqu'on sait qu'en face, il a quand même Irastorza. Hein. Ouais. Donc, impressionnant pour l'instant. Il y a un joli duel, hein, entre ces deux joueurs. Ah oui. Et attention, là, l'attaque. Il va y être, c'est sûr. Oui. Voilà. Bonne couverture. Mais il tente des choses qu'il ne doit pas tenter, malheureusement. Il a fait le plus dur de venir défendre à l'intérieur, de venir se repositionner dans le jeu. C'est vrai qu'il a voulu remettre la pression en suivant à Beascochia. Et voilà, ça ne rentre pas aujourd'hui. Il faut faire attention à ça. On voit, il se couche parfaitement les rebottes. Beascochia vient chercher avec un déclenchement à l'intérieur et il y a encore, il revient. Et là, ce qu'il tente là, c'est très très dur. Et là, ça va être carrément en bas.
Je pense qu'il y avait une autre solution quand même, hein, sur ça, de repartir sur un jeu, de repréparer la pelote pour déclencher plus tard. Voilà, donc c'est à l'intuition, hein, c'est au ce qu'il a pu ressentir sur le moment qui a fait déclencher cette attaque. Mais voilà, c'est bien mieux à faire. Et 13-6. C'est magnifique, hein. Ça s'est frappé somptueux. Oh, hein. Somptueux. Et ça encore. C'est somptueux ce qui avec tape ce, là. Ah, oui, ouais. Ce rebond. Et ouais, cette pelote qui reste collée au sol. Ouais. 14-6. Quelle première manche quand même de cette équipe bleue. Hein. C'est joué sur une qualité de cohésion d'équipe, sur une qualité technique de jeu. Il n'y a rien à dire, ça joue très très bien. Ça, quand même, la troisième manche à sens unique en trois manches dans ces demi-finales. Mais bien sûr, exactement. Même si là, le score ne reflète pas exactement ce qui se passe sur la cancha, parce qu'il n'y a quand même pas autant d'écart de ce qu'on voit à la cancha, alors que lors de la première demi-finale, c'était vraiment flagrant. Là, ça se joue, comme disait Philippe, à des détails. Oui, et puis Arcaïs, on a une stat qui est très parlante. C'est cette 7 coups gagnants. Réussi par Diego Beascochea, donc ça veut dire aussi qu'on a un joueur qui évolue sur un petit nuage. Il est en état de grâce, hein. 14-7, 7 points gagnants, ça veut dire que la moitié des points de son équipe, c'est lui qui les a marqués. Et lorsqu'on l'associe à Emmanuel Lopez, qui ne fait aucune faute, ben, voilà le score, sans appel pour l'instant. Oui, exactement. Et voilà. Et encore une faute de gants de la part d'Aritz Erkiaga pour cette première manche survolée par Beascochea et Lopez et remportée 15-7. Et une première interview avec Beascochea, entre guillemets le héros de cette première manche, 7 coups gagnants au micro. Arcades. Diego Beascochea, sekulako partidua, oso edarto sartu zerate partiduan, eta zu benetan ikusgarri gaur. Bueno, lehenengo tantutik euki guruen fuerte atati, eh? Egiz izan dena urte jasku, eta bueno, unelako pareja hondi bat irirazteko, ba, honen jokatu gizan. Bueno, eserrik asko, erorte. Oui, d'entrée de jeu, on a voulu mettre beaucoup de pression, ne pas laisser les rouges prendre les devants, parce qu'on sait que c'est une équipe extrêmement dangereuse. Ils jouent très bien ensemble. Donc, avec Emmanuel Lopez, on s'était dit qu'il fallait mettre beaucoup de pression. Pour l'instant, tout nous a souri. Encore faut-il remporter la deuxième manche encore. Oui, parce qu'il va forcément y avoir une réaction d'orgueil, mais aussi un sursaut de la part de cette équipe rouge. Et puis, on a tendance à dire, alors qu'on découvre les stats, Philippe, qu'il va y avoir un réveil, forcément, dira Storza. Oui, exactement. Cette équipe rouge doit se réveiller. Et je pense que ça va arriver. Mais c'est vrai que dans cette première manche, on voit la domination complète de Diego Beascochea, hein, dans les points gagnants, 7 points gagnants, ce qui est énorme déjà dans une première manche en 15 points. Et c'est vrai que on associe aussi au jeu d'Imano Lopez avec simplement faisant 2 points gagnants aussi. Dans l'escarcelle, c'est très important. Donc on voit cette domination quand même qui est complète de ces deux joueurs. Mais on voit que surtout qu'Alice Erkaga aussi, dans la manche, le point joué, le nombre de potes joués, il n'a pas joué beaucoup. On voit qu'il n'est pas trop tranchant dans son jeu. Il est plutôt attentif dans un jeu. Il regarde beaucoup. Il faut qu'il s'impose beaucoup plus. Donc voilà, plus de 4 fois directes. Ah, attention. Oui. On voit que ça l'a perturbé, je pense, ses fautes dans le jeu, dans l'initiative de la prise en charge de ce jeu. Donc attention à cette manche-là. Il faut vraiment se récupérer au plus vite pour la deuxième manche si on veut prétendre à vouloir gagner la deuxième manche. Les stats sont vraiment très parlantes. Hein. Il y a un duel plutôt équilibré à l'arrière. Et pour l'instant, devant, c'est un net avantage et un vrai festival de Diego Beascochea. Pendant cette courte pause d'intermanche, on a vu Eric Irastorza venir parler à son avant, à Alitz Erkiaga, pour essayer de le garder dans la partie, puisqu'il sait que la clé se trouve là, puisque comme vous le disiez, pour l'instant, lui, son duel avec Emmanuel Lopez, il le joue à fond. Et c'est Alitz Erkiaga qui
qui a peut-être la clé. Il doit peut-être hausser le rythme et être un peu plus incisif. Encore faut-il qu'il puisse avoir les pelotes convenables pour y arriver. Ira Storza victorieux du Master 3 avec un sans faute, hein, vraiment dans son parcours. Et victorieux avec Guy Guren, avec une finale remportée en deux manches. Bon, il a l'habitude cet été, hein, d'avoir quelques petits soucis à l'allumage, on va dire, mais après, c'est normal à 42 ans. En revanche, quand la machine se met en route derrière. Oui, c'est ça. Mais il faut avoir quand même, il faut jouer en équipe, il faut jouer à deux. Hein. On les a vus à la finale du Gandor où avec Goycochea, ils ont eu du mal à démarrer. L'entame de partie a été vraiment très très laborieux avec un peu de panique, hein, avec une domination énorme de Nicolas Tchetto et Jean Larin. Mais après, une fois que le jeu a été mis en place, l'orage passé dans cette grosse ambiance, c'est vrai qu'ils ont pu nous proposer un jeu énorme. Alors on attend ça peut-être dans la deuxième manche ici. Allez, c'est parti pour cette deuxième manche avec la mise en jeu de Diego Biascoichea. Première manche survolée par les bleus. Allez, voilà déjà un peu plus de précision dans son renvoi du revers à l'air-rebot. C'est ce que c'est une clé avec cette pelote qui est vive, qui est rapide, qui est chaude, donc qui a du rebond très long. Je pense que Eric va continuer à s'appuyer dans ce jeu-là pour alterner un peu le jeu de l'accélération et faire jouer un peu à Litsirkaga pour qu'il change un peu ce jeu-là. Attention, ça a bien démarré dans ce niveau-là. 1-0. Petit événement, messieurs, puisque les rouges prennent les commandes pour la première fois depuis le début de la rencontre. Ouais, il aime bien cette zone, hein. Il l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Et ça fonctionne bien. C'est important. C'est important de jouer ses pelotes à l'intérieur, sachant très bien que l'arrière est très loin placé. L'avant doit venir courir souvent à l'extérieur, mais avec prêt à faire un contre-pied pour rentrer à l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Mais c'est vrai que là, quand ça ajustait sur le mur de gauche, je ne le répéterai jamais assez, c'est gênant. En récupération, c'est gênant. Et on va le voir là. La pelote, elle va fuir et elle va glisser sur le mur de gauche. Et là, c'est dur à attraper. On voit, c'est dur. Ça fait un effet inverse. Et en récupération, des souvent, on fait la faute. Prochain. Ouais. C'est le premier. Et vous le voyez, Eric Ira Storza qui fait les 100 pas comme un lion dans sa cage. Lui, il est pour l'instant au niveau, mais c'est Litsirkaga qui peine. C'est sûr qu'à ce niveau de la compétition, sur ces parties-là, il faut être à 100%. On n'a pas le droit. On l'a vu avec Nicolas Tchetto, qui n'était pas bien du tout et qui a joué à 30% pratiquement. Et donc voilà. Là, ces pelotes-là, quand même, c'est des pelotes de... C'est pas normal d'arriver à faire ça, parce qu'après, il y a un déclenchement derrière et qui est énorme. Ça, c'est là qu'il doit être beaucoup plus juste dans ce qu'il fait. Il n'est pas juste dans ce qu'il fait. Et il redonne des pelotes automatiquement à Emmanuel Lopez, qui, lui, peut distiller des pelotes dangereuses sur sa droite. Donc, voilà, c'est là qu'il faut qu'il se concentre énormément. Si cette équipe rouge veut perturber énormément les bleus. Et... Attention. Ça doit quand même un petit peu de bouillir effectivement intérieurement chez Ira Storza, avec en plus cette question de savoir s'il continue d'encourager ou s'il le pique un petit peu son partenaire, parce que c'est bien d'encourager, mais à un moment donné il faut peut-être trouver une autre clé bien sûr, monsieur, pour le réveiller. Il faut peut-être un peu peut-être l'agresser, mais dans le bon sens du terme, pour essayer d'avoir une rébellion à un moment donné pour qu'il puisse se ressaisir et nous proposer des choses plus intéressantes. Attention, c'est pour être un peu un milieu quand même. Oh, elle est bonne. On la remise. Elle est fausse. Et celle-là, elle est fausse. Donc, tant mieux, peut-être un petit répit pour les rouges. Là, ils s'en sortent bien, les rouges, là, parce que il y avait quand même pratiquement un troisième point qui tendait les bras des bleus. Ouais.
avec ce sauvetage incroyable du Grastorza à la louche pratiquement pour la renvoyer. Et c'est vrai que l'attaque n'a pas été bonne. Et il avait encore trouvé un effet, une zone là, Lopez. Oui, exactement. Joli but, joli but, joli but, joli but. But magnifique. Allez, ça c'est un but magnifique. Et Ace. S'il enchaîne 2-3 petits points comme ça, peut-être qu'Alex Erquiaga peut revenir. C'est pas facile de jouer avec Eric Erastosa non plus, avec un monument comme ça de la pelote basque. Il n'est pas sans me rappeler l'attitude de Diego Beascoechea lorsqu'il avait gagné le dernier titre avec Eric Erastosa, où il l'était justement. Eric Erastosa avait tenu la barre quasiment tout seul et Diego Beascoechea n'osait même pas prendre les pelotes. Donc c'est pour ça, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'il le pique? Oui, mais pas trop quand même, il faudrait pas qu'il annihile totalement son avant. Voilà, la pote ne remonte pas assez, mais c'est dommage, attention à ce revers. Ah, voilà. Attention. Faute de gants. Ouais. La deuxième ça vient dans vite, cette manche. Ouais. Ça vient très vite, donc attention. Et un petit 3-0 pour les rouges. Qui était mené 2-1 et qui mène 4-2 maintenant. Eric Erastosa qui prend le jeu à son compte. Hein. Voilà, indéniablement. Elles sont dures ces pelotes et grosse maîtrise dans la réception. Là, c'est un bon déclenchement pour Eric. Voilà. Lopez est toujours présent, hein. C'est énorme. C'est là qu'il n'est pas précis devant. Mais attention, parce qu'elle fuse, est-ce qu'il va y être bien ce que tu as, ouais. Oui. Ouais. Ouais, là aussi, très sûr encore dans bien sa frappé, prise. Bien frappé. Erastosa. Et merci Erastosa, hein, parce que il n'est pas très incisif, Alex Erquiaga, vraiment. Ouais. C'était mal parti dans ce point encore. Il a fallu une droite piquée par-dessus l'épaule, tout dans le contrôle. Et on voit que ça a été vraiment exécuté avec un ralentissement au niveau de l'exécution sur le haut de l'épaule pour laisser tomber cette plaque qu'elle a fait à son rebond très haut. Et c'est très très bien exécuté. Allez, voilà, il faut que si on veut avoir une troisième manche, je pense qu'il faut rentrer dans ce style de jeu pour Eric et surtout gêner un peu Beascoechea qui me donne l'impression d'avoir un petit coup de moins bien. Il a hésité à la prendre. Oui. C'est encore pour Erastosa. Ça monte très haut. C'est bien frappé. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile à relever pour l'instant, vraiment. Ouais. C'est Erastosa qui permet à l'équipe rouge de mener 6-2 quasi tout seul. Ouais, 6-2. Et comme un symbole, Eric Erastosa qui est revenu relever Diego Beascoechea, son avant de l'époque avec lequel il a gagné 3 fois. Les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, 2014, 15 et 16. Il a un coup de moins bien, Diego Beascoechea, j'ai l'impression. Là, c'est vrai qu'il s'est jeté in extremis pour essayer de renvoyer cette pelote. Mais dans la faculté de gérer cette deuxième manche, il me semble qu'il est en train de prendre un coup derrière la tête parce que voilà, ça va moins vite, c'est moins précis dans ce qu'il fait. Et voilà, Emmanuel Lopez se bat toujours autant. Eric Erastosa remonte encore plus haut son niveau que la première manche, ce qui est fabuleux. Et il tient vraiment l'équipe rouge pour l'instant tout seul. Alors, totalement. Est-ce que c'est finalement une bonne chose? Oui, là, parce que ça permet aux rouges de mener 6-2, mais pour remporter une manche, c'est quand même mieux d'être à 2. Ah oui, non, mais exactement. Et puis souvent à la pelote. Ou dans tous les sports un peu semi-collectifs où on joue qu'à deux ou à trois, il vaut mieux être bien
collectivement pour s'entraider et faire des choses correctes. Vous avez tendu l'oreille, Arcaïs ? Oui, Alit Serkiaga qui est venu, et pourtant c'est un grand joueur, Alit Serkiaga, il est venu voir Eric Irasorza pour lui dire « Tu crois que je peux utiliser cette pelote ?» Il lui dit « Oui, oui, vas-y. » Donc en fait, tout passe par le maître du jeu, hein, Eric Irasorza, qui en plus maintenant lui prodigue quelques conseils pour essayer de garder justement cette entame très intéressante de la deuxième manche, puisque les rouges sont sur 5 points consécutifs. Oui. Et on peut dire que c'est quasiment Irasorza 5 et les bleus 0 hein, pour oui. l'instant. Alors, on va dire 4 parce qu'il y a eu une mise en jeu qui a été excellente de la part d'Erkiaga. Oui, oui, exactement. Que oui. n'a pas contrôlé oui. Lopez. Donc ouais. on va quand même lui donner un petit point. C'est vrai. Mais je pense que Alit Serkiaga peut rehausser son niveau de jeu. Je suis persuadé. Il faut qu'il retrouve un peu plus la confiance. Et ça, Eric, je pense qu'il va y apporter ça. Et là, je pense qu'on le verra briller de plus en plus dans cette partie. Et ça, c'est des détails sur le renvoi de les rebottes. Et sachant très bien que Diego Beascochia est un peu en péril, j'ai l'impression là. Il nous a peut-être fait le coup des chaussures, là, c'est le coup du mal au dos, on le connaît. Mais c'est vrai qu'il lui fallait cette coupure, cette cassure, peut-être pour se remettre un peu dans la partie. Casser un petit peu la dynamique rouge. Ouais, je pense. Vous l'avez vu, Eric Irasorza qui est parti hein, parler aussi à Diego Beascochia pour prendre un peu de ses nouvelles. Ce qui montre aussi le respect hein, entre les quatre protagonistes au-delà de la rivalité. Beaucoup de respect entre les quatre acteurs de cette demi-finale. Allez, voilà, boum. Oh, elle est belle. Ouais. Bien frappé, ça aussi encore. Et c'est ouh, la c'est très bien défendu aussi. La part de Lopez. Ah, celle-là, elle est pas mal. C'est pas mal frappé, ça. Mais il est là encore. Hein. Oui, mais ça va être compliqué de la relever, non, non. Elle est dedans, elle est incroyable. Il faut trancher le point, il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà. Ouais. Voilà. C'est très bien conclu, malgré deux sauvetages exceptionnels, vraiment, ouais. de la part de Lopez. Vraiment somptueux. Là, vraiment, on arrive dans un niveau de jeu très, très élevé. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que cette équipe rouge remonte son niveau de jeu, et en l'occurrence, Alit Serkiaga, ce qui permet automatiquement de retrouver une qualité technique de ces quatre joueurs qui est énorme. 7-2 désormais. Une déferlante rouge, ça va sur les bleus. 6-0. Série en cours. Elle est bonne. Ouais, ouais. Elle est très bonne. Oh, celle-là aussi, somptueux de la part d'Eric Irasorza. Elle est bonne. Ah. Elle est bonne. Ah oui, mais Diego Beascochia fait du Diego Beascochia. Ouais. Hein, Philippe vous l'a dit. Ah ouais. Elle est bonne et largement bonne, il n'y a rien à dire. Si on peut la regarder, elle est bonne, la pelote. Bon, de toute façon, à la Cesta Punta, il n'y a ni Goal Line Technology, non, ni la VAR. On l'a sur la ligne numéro 7, mais la ligne numéro 4, on ne l'a pas. Mais voilà. Je veux dire que cet engagement, il est bon. Ah, ouais. Je vous dis, depuis tout à l'heure, il me semble que Diego Beascochia sort de la partie. Il fait des fautes, il est moins serein. Et voilà, et ça se remarque sur ce jeu-là. Voilà, il joue moins précis. Là aussi. Et là, c'est vrai. Oui. Si c'était un peu plus appliqué sur le milieu gauche, ça serait encore un peu mieux. Mais ça paye pour l'instant. Oui, oui, tout à fait. Et plus 7 désormais pour les rouges. 9-2. Et là, le bateau des bleus prend l'eau. Hein. Non, mais c'est sûr. C'est sûr et certain. Incroyable quand même, hein, ouais, messieurs, ouais. parce que. Lors de la première manche, on l'a dit, il a été étincelant, mais cette coup gagnant, avec en plus des choix qui étaient très très justes dans ses pelotes d'attaque. Et là, il sort de la partie complètement. Hein, et ça permet à Alit Serkiaga de rentrer dans le jeu de petit à petit, grâce à son arrière, et qu'il aide énormément, ah oui, autant techniquement qu'au niveau de la parole sur la direction du jeu. Voilà, donc celle-là est un peu dure. Voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux dans le jeu. Mais après, Diego Beascochia, on le connaît, hein. Il influence beaucoup l'arbitrage, il influence plein de choses. Et là, en l'occurrence, le but, il était bon. Hein. Moi, je ne le vois pas faux de là où je suis. Et c'est vrai que... Il faudrait peut-être qu'on demande aux réalisateurs une petite caméra en numéro 4. Bientôt, il va falloir investir un peu là-dedans. Peut-être qu'on a encore un peu plus de... Et on va finir par avoir vraiment l'arbitrage vidéo digne de ce nom.
Imen Lopez qui s'est empressé de dire à son avant de changer de pelote pour essayer de renverser la vapeur. Eux qui ont encaissé un total de 8-0. Oui. Alors du coup, c'est quoi la stratégie là en termes de la pelote? Alors là, je pense qu'ils vont surtout essayer de prendre une pelote moins vive, donc d'acculer plus facilement Eric sur le mur de fond. Et donc voilà, et là c'est un peu trop long malheureusement, mais surtout chercher ça. Là, il va essayer de retaper au fond, je pense. Non, Cortada, parfait, un point. Avec cette pelote neuve, de toute manière, il n'y a pas le choix. Hein. C'est soit sur un travail qui est plus long pour essayer de bloquer le mur du fond, ça c'est incroyable, mais si la pelote est rapide, on peut jouer sur la rapidité, sur l'accélération. Et là, c'est plus sur la longueur. C'est incroyable parce qu'il mène 10-3. Il est quand même de mieux en mieux, mais on sent quand même qu'il a besoin du soutien et que Eric Kerestorza le rassure là. Mais bien sûr, c'est énorme. Comme je vous disais, c'est une équipe. Et s'il faut, dans une équipe, il y a toujours peut-être une personne qui va briller un peu plus. Mais ce sera quand même grâce à cette personne-là qui gagnera la partie, Eric. Donc voilà, c'est tout à son honneur de le mettre sur le bon rail pour essayer de gagner cette partie. Les deux, c'est bien frappé. Quel défenseur, ouais. Sol Lopez. La pelote est sortie très très loin à l'impact. Ouais. Là, c'est un peu l'inverse de la première manche où on sent que c'est Imanol Lopez qui essaye de tenir la barre comme il peut. Diego Beascoecha, pour l'instant, absent. Ouais. Ce qu'il est capable de faire avec beaucoup de réussite. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, on a deux capitaines d'équipe, et entre Lopez et Rastorza, c'est deux monuments dans ce sport et dans cette place-là d'arrière. Donc voilà, ils ont une maîtrise de plein de choses. Donc ils essaient d'amener ça au maximum aux avant parce que c'est important pour gagner. Alors, pelote au moins vive. Elle est très très dure, elle est bien frappée, très dure. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, l'ajustement de cette pelote qui est moins vive, qui est neuve, qui va glisser à l'impact au mur, donc on va chercher de la longueur pour chercher un peu loin, l'ajustement sur le mur de gauche pour déranger un peu Irasorza, et voilà, donc c'est bien fait de la part d'Imanol Lopez. Et rendez-vous compte, c'est Imanol Lopez qui est obligé de faire les points hein, pour essayer de garder le bateau à flot. Mais il est conscient, je pense, Imanol Lopez, que la partie n'est pas terminée. Ça peut très vite basculer encore. Donc voilà, il faut s'accrocher sur tous les points et continuer à combattre. Ils ont remporté les deux derniers points, les Bleus. Ça, c'est mieux. C'est un peu plus encore, c'est dommage. Qui n'est pas en réussite à la révolte. Non, ce non, soir, ouais, exactement. Il n'arrive pas à jouer juste dans ce qu'il fait. Attention. Oh, elle est belle. Attention, Eric, s'il joue dans cette phase de jeu-là, c'est dangereux. Il faut faire très attention. Qui essaye de bloquer Eric au fort. Hein. Bien sûr. Pour l'instant, il tient la baraque tout seul. Joué, ça, c'est joué. C'est bien attrapé. Voilà, là, il faut essayer de lutter intelligemment en cherchant à fixer ce pote au milieu de gauche. Ah, pour l'instant, il tient bien. Ouais. Et on voit que le seul qui joue pas, c'est Ali Sercaga. Donc voilà, c'est le seul qui ne participe pas au jeu. Ses plots, il peut pas les prendre n'importe comment. Mais c'est vrai que c'est un garçon qui est oublié dans le jeu. Et il faut qu'au moment où il a l'opportunité de faire les choses, il faut qu'il soit
Voilà, là c'est bien joué. Là c'est bien joué. Oh, superbe. Attention, là il faut y être encore, ça va durer. Voilà. C'est pas mal aussi. Oui, exactement. Aussi. Ah ouais. Et chapeau voilà. Eric Rastorza, hein, quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Quelle couverture de la part d'Eric Rastorza qui a tenu effectivement tout au long de ce point alors qu'ils étaient les deux à le mettre sous pression en permanence. Ouais, exact. Il a fait le point tout seul et un point très important hein, puisque on passe à un 11-5. Et les Bleus qui avaient repris une petite dynamique. Voilà, on a vraiment du haut niveau de jeu. Là, vraiment, ça s'est énormément changé dans cette deuxième manche. Et Pacha. Le troisième. Ce retour puissant, c'est là qu'il faut venir bien défendre. Ouais, cette droite est bien jouée, est très bien frappée cette droite, super bien. Il est malin Lopez, il est malin, mais parce qu'il savait très bien qu'il n'avait pas, là, il n'était pas du tout, il n'était pas du tout dans la pelote, parce que la droite elle est très très bien tapée, et il a été malin complet. Dans l'esprit du jeu, franchement, il fait une belle affaire. Hein. Oui, monsieur, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, petite incompréhension d'Alice Erquiaga qui est venu demander au juge, mais on la rejoue réellement ou c'est point pour nous? Moi je sais ce qu'il lui demande. Il est en train de demander, c'est mon premier engagement ou mon deuxième? Puisqu'il avait fait pas chaud au premier. C'est ça qu'il demande. Alors donc, comme c'est Berit, on rejoue, on a le droit à deux engagements. C'est pas, logiquement, c'est pas un, c'est deux. C'est ce qu'Assier Roulibé lui a dit. C'est là qu'il doit faire mal. Il va poser doucement. Et là, il y a encore au PC. Là, c'est trop long. Ouais, c'est un peu long dans sa faculté de. Celle-là, elle est pas mal. Elle est bien frappée, elle va avec le point en plus, il n'y a rien à dire. Exactement. Voilà. Sa posture de récupération et de relance de cette plot de la droite, c'est vraiment très lent. Dans Emmanuel Lopez, on voit vraiment que c'est vraiment limite. Il faut trouver un jeu différent de sa part. Nous à 5 pour les rouges. Ouais. Voilà, donc c'est ça qu'il faut qu'il arrive à régler. Elle est fausse. Il est moins bien depuis un petit moment et ça se voit, c'est flagrant. Attention. Et pourtant il avait tout le temps là, vraiment de se placer, de voir où étaient les adversaires. Ouais. Les deux avant ont interverti entre la première et la deuxième manche. Ouais. Il fait les mêmes erreurs que faisait Erquiaga tout à l'heure. Bien sûr. Ouais. Malgré que le niveau de jeu de Erquiaga n'a pas encore réussi à aboutir autant que Berskocian la première manche, mais c'est du mieux. C'est mieux. Il profite vraiment des grosses fautes quand même de Berskocian dans cette manche. Et voilà, il s'est mis le doute complet. 13-5. Il a essayé de varier sa droite, il a essayé un peu de l'allonger un peu plus haut, de chercher un peu plus de hauteur et la plot s'est échappée. Ça arrive. Il peut se permettre à 13-6 de varier un peu ses coups parce que ça va permettre aux adversaires de faire attention dans le placement de sa droite sur la défense. Et le petit geste pour s'excuser auprès de son partenaire. 13-6.
quel grand salon, qui devrait aller au Tchitchak, mais il est là, Eric. Elle est votre force. Elle est votre force. Ouais. Ouais, elle est votre force. Attention, on voit que Emmanuel Lopez cherche la relance beaucoup sur la droite. Et depuis quelques temps, il recherche avec cette pelote-là, pas de faire le point directement, mais surtout de bloquer Irastorza sur le mur du fond. Donc je pense qu'Eric, c'est pas la peine trop qu'il vienne chercher trop court, de s'avancer un peu trop. S'il cherche un peu plus en bloquant sur le mur du fond, ce sera peut-être plus judicieux dans son jeu. Les bleus qui grignotent petit à petit, même si l'avance reste confortable. 13-7 pour les rouges. Grosse partie des deux arrières, hein. Lopez et Irastorza dans toute la continuité de cette partie. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. On a les deux meilleurs du monde. Oui, exactement. À ce poste-là. Ça a touché effectivement la zone rouge tout en haut. Il a cherché à le repositionner. Il restera sur le mur du fond, collé à l'angle là-bas, mais il n'a pas réussi. Là, son allonge était mal ajusté. Mais c'est bien ça, cette pelote-là qu'il choisit, il recherche ça. 14-7. Elle est bien frappée par contre. Elle est bien frappée. Elle est bien frappée. Voilà. Elle s'écrase au sol. Et cette deuxième manche remportée par l'équipe rouge. 15-7. Exactement le même score, mais de l'autre côté. Voilà. Et ça fait une manche partout. Et on en salive déjà, hein, vraiment, de cette troisième manche. Alors Karkaitz va être avec Erquiaga. Avec la petite touche amicale entre Erquiaga et Irastorza. Aritz. Mangabana, lehenengo partea garbiki urdinentza, bigarrena zuentzat, orain igual gatzen egiteko. Bai, bagoitza bere pelotiaz dabil dominetan, eure barrizaz geixadiz. Guke pelota birizaz bai gul geixaldo utrastea, da hor txigabiz aprobetxetan. Horren garrantzitzu da, ba, saki euki, ta saki ondata, eta irabazten hasti. Euskarrik asko, gero arte. Oui, la différence, selon moi, ça se joue sur des détails. Eux jouent beaucoup mieux avec la pelote neuve. Nous, par contre, lorsqu'on joue avec une pelote vive, ça nous fait beaucoup plus de bien et on peut justement positionner notre jeu. Maintenant, la clé pour la troisième manche, à mon avis, ça va être, un, d'avoir le toss si possible pour nous, de bien buter pour essayer de bloquer Emmanuel au fond et ensuite de trancher, ce que je n'ai pas réussi à faire pour l'instant, convenablement. Très lucide. Ah oui, non, mais ils savent, c'est des grands joueurs, ils comprennent très vite le jeu, ils savent très bien que leur positionnement, leur faculté à faire des points, donc voilà, donc ils savent où ils en sont et ce qu'ils doivent faire, donc c'est important. La satisfaction d'avoir remporté cette deuxième manche alors qu'on découvre les stats et cette égalité, enfin, alors qu'il avait été nettement dominé lors de la première manche. Voilà, ça a complètement changé. On voit, ils sont ex aequo dans le point gagnant entre Erquiaga et Beascochea, qui, par contre, la première manche, il y a une domination incroyable de Diego Beascochea, ce qui prouve qu'il a rehaussé son niveau de jeu, même si ça n'a pas été encore le summum. Et Eric Irastorza, voilà, 3 fautes de gain, 4 points gagnants, c'est vraiment une prestation quand même importante. Et on sent exactement aussi que dans Emmanuel Lopez aussi une envie de se transcender, de jouer autant que Irastorza. Donc ce soir on a vraiment ce gros duel d'arrière en l'occurrence dans cette deuxième manche. Erquiaga souhaitait commencer à buter la troisième manche, mais ça ne sera pas le cas puisque c'est les bleus qui ont remporté le toss. Et c'est donc Diego Beascochea qui va s'élancer pour donner le coup d'envoi de cette troisième et définitivement en chance. 5 points. Exactement. Premier arrivé à 5 est en finale de ce grand slam. Retrouvé en finale, Goicochea Eki. Victorieux en 2 manches, Decheto et Liguren. Et à ce stade, malin celui qui pourrait prédire l'issue de cette rencontre. Alors, votre pronostic ? Moi, je mettrai une petite pièce sur les rouges, mais voilà, ça ne tient qu'à moi. On va noter. Allez, c'est parti.
troisième manche, l'épilogue de cette deuxième demi-finale. Le premier arrivé à 5 est en finale du Grand Slam de Saint-Jean-de-Luz. Tombante, elle était un peu embêtante cette pelote, donc voilà, c'est vrai que la droite ajustée d'Emmanuel Lopez a été bonne. Il a été parfait, ouais. Tellement fort lors de la deuxième manche, parce qu'on a, vu les stats, mais il n'y a pas que les stats, il y avait aussi, et vous en avez parlé, toute cette défense magnifique, tous ces points bien défendus de la part d'Ira Storza qui a vraiment tenu à lui tout seul les deux tiers de cette deuxième manche des Rouges. Oui, exactement. C'est, et là, ça démarre par une faute. C'est une faute, mais qui peut être une faute qui vraiment peut changer. Ça peut changer énormément. Attention, c'est le début, l'entame de cette troisième manche en 5 points. Attention, il faut être vigilant et vraiment très concentré. Vous qui êtes férus de statistiques, messieurs, sachez que pour l'instant, depuis le début de la rencontre, l'équipe qui a marqué le premier point dans la manche l'a remporté. Ah, ça c'est une bonne indication. Il va falloir essayer de faire reculer Lopez. Là, c'est très important parce que là, il va lâcher des coups dans tous les sens. Ça, c'est important. Hein. Bien taper. Oui. Oh, il faut la prendre. Ça. Elle va aller très très loin. Hein. Ça va être très très loin. Ne pas le faire avancer, cet arrière bleu. Allez, la remise. Storza. Elle va aller sur le mur de gauche. Attention, oh ouais, c'est super. Super. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Si c'est pas facile, elle est là. Elle est dedans. Elle est dedans. Oui, elle est dedans. Ouais, joli. Incroyable. Ah ouais, elle double pas. Non. Elle double pas la plot. Moi, je ne la vois pas doubler. Donc voilà. Ça continue à jouer. Ouais, ouais. Petite. Ouais. Incompréhension de tout le monde, mais. Oui, bien faire, Kaga. Donc ça va discuter en tout cas à la fin de ce point. Ouais. Mais je sais pas si on va les ralentir quand même, mais pour moi elle double pas. Hein. Non, c'est sûr que non. Ah, hein. Je la vois pas doubler, c'est sûr que non. Yaskotchea. Oh, le point est incroyable, ouais. Ce deuxième point de cette troisième manche. Ah, il peut être décisif, le point suivant. Parce que 2-0 compliquerait nettement. Elle arrive vite, elle arrivait très très vite et il n'a pas réussi à la contrôler. Alors, petit geste. Derek Ira Storza, pas content du tout, après son ancien partenaire, justement. Ouais, Ira l'a pris lui, ouais. Ira l'a pris lui parce qu'il reste devant dans le jeu, donc il lui gêne un peu la trajectoire de pelote. Et c'est pour ça qu'il râle. Je ne suis pas sûr qu'il râle qu'après son adversaire, hein, que son coéquipier. Il râle aussi auprès de Diego Beascoechea et Manuel Lopez. Ouais, mais je pense pas qu'il râle après. Ah non, il râle pas du tout après Kaga, hein, il râle vraiment après Beascoechea depuis tout à l'heure, oui. On est bien d'accord. C'est peut-être pour le doublé de tout à l'heure, mais il n'y a pas doublé, il n'y a certainement pas. C'est vrai qu'il essaie toujours d'influencer le jeu. Oui, mais il le réprimande un peu pour ça. Il joue et arrête de parler. Exactement. Surtout que les bœufs mènent de 0 désormais. Et Diego Beascoechea est parti en baissant les yeux. Hein. Ouais. Mais bon, il est coutumier du fait. On sait comme il est. Pas forcément très sportif, mais ça fait partie de son jeu. Ouais. Bon, il a baissé les yeux, mais ça n'a pas l'air de l'avoir affecté dans le jeu, en tout cas. Non, pas du tout. Allez, il faut venir jouer un peu là. Il faut venir jouer, c'est important. Il joue plus dans le jeu. Il est inactif dans le jeu, donc c'est sûr qu'à un moment donné... C'est un 2 contre 1, hein. Il ne vient pas gêner même dans la faculté de déplacement, dans le jeu sans pelote. Voilà, il faut qu'il soit beaucoup plus actif et là il n'est pas. Il est pas. Ça va être compliqué quand même tout de même. Hein. Pour les rouges, il faut arriver à 5. Il y a déjà 3-0. Ça paraît très compliqué de renverser la dynamique. Ça va être dur à 3-0, il va falloir vraiment se battre parce que. C'est surtout que, comme vous le dites, Philippe, Erquiaga a laissé tomber l'histoire là pour l'instant. Il est complètement absent du fronton.
alors qu'à votre micro, il semblait déterminé en disant c'est à moi désormais d'être tranchant. Je ne l'ai pas été encore. Voilà, mais il n'a toujours pas été. Allez, là, c'est là qu'il faut qu'il soit fort. Voilà, ça c'est bon. Et voilà. Ah, de nouveau, là, contestation. Ouais, non, là, c'est Lopez qui demande. Il râle surtout. Non, non, là, Lopez, il demande que la pelote a touché la ligne. Ouais, ouais, c'est ça. Et il se fait copieusement siffler par le public plusieurs. Ouais, c'est vrai. Parce que là, quand même, les Bleus ne montrent pas le meilleur visage qu'on puisse montrer là, sur le fronton, hein, quand même. Elle touche à une, je ne sais pas. C'est vrai qu'elle elle est en redescendant, elle redescend un peu. Mais c'est vrai qu'on a du mal à voir comment elle est la pelote. Moi, je ne l'entends pas, c'est vrai d'ici. Mais c'est vrai qu'elle est plongeante sur le haut de l'arrêt. Bon, il y a des arbitres, donc c'est eux les décideurs. Mais c'est vrai que voilà, ces Bleus influencent beaucoup. Hein. Ils bataillent beaucoup sur tous les points. Bon, après, ça montre aussi leur envie vraiment de s'imposer. Oui, bien sûr. Ce qui agace, c'est Ricky Rassonza, comme vous pouvez l'imaginer. Ah oui. Attention, ça c'est... Allez, bien fait. Oh, elle est belle celle-là. Ouais. Ça aussi, joli. Ouais, ça aussi, c'est très beau. Ouais. Voilà le premier coup gagnant d'Erquiaga dans cette troisième manche. Et ça permet aux Rouges de revenir. Et le public acquis à la cause des Rouges hein, maintenant. Nettement en faveur de l'équipe des Rouges. Ouais. Ça va se jouer à des détails. On voit, on sent de suite qu'il y a, vraiment une grosse intensité dans ce jeu et une grosse nervosité, on peut dire, peut-être de l'équipe bleue. Voilà. Qui menait 3-0. Ouais. Ce serait fort quand même là, si les Rouges revenaient dans cette troisième manche. Tension, quand même, hein. Électrique entre les quatre protagonistes. Je peux vous dire qu'un 3 partout mettrait le feu aux poudres. Hein, ici. Ah oui, c'est sûr. Mais on ne demande que ça. Aïe. On voit des gros coups de butoir des deux arrières. Et là, c'est impressionnant, les droites. Attention, elle est très très longue, mais elle va tomber sur la fin. Ouais. Oh, la prise exceptionnelle. Et ce qui tape derrière, c'est magnifique. Voilà, c'est joli. Ça aussi, c'est beau. Voilà pourquoi c'est les deux meilleurs arrières du monde. Oh, non, vous l'aurez compris. Ouais. Voilà, c'est énorme. C'est énorme ce que font ces deux joueurs. C'est énorme. Son geste c'est habituel. Énorme. Ouais, c'est énorme. Voilà, l'ajustement est bon. Et celui-là, il est bon. Voilà, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'ils font. Oh là là. Ah ouais, ça aussi, c'est très beau de la part d'Erquiaga. Et de nouveau sur Beasconcia qui n'a pas le temps de se dégager pour maîtriser cette pelote. Ça fait 3 partout, ils sont revenus à 3 partout alors qu'ils étaient menés 3-0. C'est fort. Ouais, c'est impressionnant, c'est une grosse qualité de jeu. On voit le déclenchement encore de Alice Erga n'est pas parfaitement exécuté, mais il a la vitesse, il a la gêne parce qu'il lui tape dessus. On voit et l'extension d'Irastorza qui va chez cette pelote, c'est important. Et le geste qu'il fait après derrière, autant lui que Emmanuel Lopez, voilà, on a deux grands joueurs. Voilà. Le geste caractéristique d'Emmanuel Lopez qui fait tourner le gant quand il prend de la droite, qui est très peu apprécié par les touristes. Ouais, ouais, exactement. Ouais. 3 partout. Là, il rebote. Encore grosse allongée, bien frappé ça. Hein. Ouais, c'est une très grosse défense. Grosse défense. Ouais, encore ça, c'est costaud. C'est énorme. Elle va toucher le mur, elle est dure celle-là. Elle est dure. Ah, ouais. Elle est dure et il n'arrive pas à la contrôler. Quatrième point d'affilée de cette équipe rouge. Incroyable. On voit quand même l'insistance d'Irastorza dans la variation des coups de la droite. Chercher à allonger, chercher à jouer médio. Et là, c'est toute la réussite de ça, c'est le travail, l'âge l'ange qu'il a. Ça, c'est très, très bien joué. Parce que là, les deux arrières sont quand même énormes. Hein. Ah, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Je vous dis honnêtement, on retrouve quand même du grand Irastorza cette année, après cette année un peu de purgatoire qu'il y a eu l'an dernier, où il a beaucoup souffert. Et je sais qu'il a été aidé par pas mal de gens. Et on voit que vraiment, c'est du haut niveau qu'on a ce soir avec ce joueur. Avec l'objectif
de regagner un titre lors des championnats du monde à Barcelone. Wow, ça c'est énorme. Elle est forte, elle ça sort elle est forte. Ça sort et cette équipe bleue qui menait 3-0 dans cette entame de troisième manche et qui finalement s'incline. Énorme Eric Irastorza dans la deuxième manche pour maintenir à flot et garder l'espoir des rouges, et dans cette troisième manche pour encore une fois renverser la vapeur et aller chercher une place en finale de ce grand slam. Vous pouvez le féliciter de ma part, Arkaïssa, Eric, parce qu'il a été monstrueux encore ce soir et comme il est depuis toute cette saison. Je n'y manquerai pas, Eric Irastorza. On va continuer le cours d'espagnol. On était resté à Biarritz sur la décima. Aujourd'hui, c'est la remontada. Ouais, la remontada. On s'en passerait dans la remontada, mais bon. Je crois que, comme à Biarritz, on a été pris la gorge par une équipe très, très solide. Et on savait que ça allait tourner quand même, parce qu'à Ritz, son jeu, c'est les rebotes. La pelote commence à être un peu plus vive. On l'a vu à la seconde manche. Et puis, bon, après, troisième set, c'est 3-0. Et puis, on fait 5 points en suivant. Voilà, c'est le jeu. Parce qu'on est mené 3-0, justement, la troisième manche. Qu'est-ce qui trotte dans la tête? Pas grand-chose. Je crois qu'on a à cœur de se recentrer sur le prochain point, parce qu'on ne peut pas se dire, oh, putain, on a fait... on a loupé celle-là, j'ai mal tapé celle-là, on n'a pas le temps, c'est un 5 points. Il faut se recentrer, jouer en équipe, s'entraider et puis aller de l'avant, et c'est ce qu'on a fait. Vous avez d'ailleurs les félicitations du sélectionneur Philippe Chevry, qui a dit que c'était du grand, du très grand Irastorza, peut-être une des parties les plus abouties de la saison. Oui, possible, dans la tactique peut-être, parce que je sais que contre Diego et Imanol, il faut jouer très très bien tactiquement. Je crois qu'on l'a fait à partir de la deuxième manche et la troisième. Et voilà, il faut jouer tactiquement parfait. Et puis, bon, même si le physique, Imanol était très, très très fort et tout ça, je crois qu'on a su le contrer, même s'il nous fait des points. Mais bon, voilà, on a su quand même les contrer et jouer à la fin de notre jeu et faire des points. Un dernier mot sur vos adversaires de la finale, Goikoetxea et Eki. La clé de la rencontre, selon vous? Ben, je crois qu'encore une fois, c'est jouer notre jeu. Je crois que si on a ce qu'il faut, si on arrive d'entrer à jouer notre jeu et à éviter un peu Goïko, ça serait pas mal. Voilà, ça sera peut-être plus facile, mais bon. Voilà, Eki est en train de très bien jouer, il ne fait pas de faute. Je crois que c'est la meilleure, c'est un très bon complément pour Iñaki. Donc ben, on va se revoir avec Iñaki dans les vestiaires et sur la cancha. Un petit souvenir peut-être des années passées à Miami avec Erkiaga et Goikoetxea notamment. Ouais, voilà, c'est voilà, trois joueurs de Miami. Deux avant qui étaient au top là-bas, moi aussi. Et donc voilà, on va s'en mettre plein à bourre. Un grand merci et à très vite sur nos antennes. Merci Eric. Alors on salive déjà Arkaïs de cette finale qui promet beaucoup. Goikoetxea et Eki face à Erkiaga, Irastorza, et on s'est régalé pour cette deuxième demi-finale, Philippe. C'était monstrueux une fois de plus, et voilà, petit cocorico, on va retrouver quand même un Français en ce finale des internationaux, digne de ce nom, et quatre joueurs extraordinaires jeudi, donc que ça arrive au plus vite, et tant mieux, merci beaucoup. Ouais, merci de nous avoir suivis, merci Philippe, et on vous retrouve avec Xavier Giraudon et Arkaïs, bien sûr, pour nous faire vivre cette finale qui s'annonce magnifique. Ciao. Au revoir, merci Sébastien.